Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles X. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons reprendre notre volonté d'augmenter l'entente entre nos personnages. Et pour ce faire, on va faire des missions. Là, il y a une mission d'entente ici, il y a une quête là-bas. Mais je crois que ça c'était chiant, alors que du coup, ça a été une mission d'entente. Je sais pas si on peut la faire, mais on va aller voir. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Je peux virer. C'est quoi le niveau minimum? 21. Je pense qu'on va virer Fry. On va virer Fry. Équipement de terrain. Membre actif. On va virer Fry. Ça nous fait aller en Coldross. Accepter la mission de base, épouse-moi. Quelle est la mission de base, épouse-moi? C'est ça. Vous avez vu ce qu'il s'est passé? Vous prenez la toute baratin de cette femme sur un lieu invisible. Non. Rejeter tout ça comme maintenant des foutaises suspicieuses. Voilà, vous êtes un humain rationnel, n'est-il pas? Il semblerait que vous ayons la même opinion. J'ai bien peur qu'une rumeur prétende dans que l'eau de cette église paya et l'épidémie qui frappe les Manon ne soit déjà répandue, en tirant les adeptes. Je vais vous être honnête avec vous, d'accord? Je soupçonne que ce groupe d'avoir volontairement causé l'épidémie afin de recruter de nouveaux membres. Si mon hypothèse est correcte, en tant que médecin, j'ai le devoir d'agir, non? Oui. Si je pouvais juste mettre la main sur un échantillon de cette eau miraculeuse, je pourrais l'analyser et les voyager pas machiavélique, n'est-il pas? Peut-être que vous trouverez aussi cette secte suspecte, non? Une secte, c'est toujours pourri. Vous joindrez-vous à moi pour démasquer Frézy et prouver que c'est une menteuse. Pin, oui. Alors, on va accepter la mission. Non. Alors vous devez d'abord m'aider en trouvant les deux colamboles assassins qu'elle demande, n'est-il pas? Pendant ce temps, je vais aller enquêter à l'usine des traitements de l'eau du lac Biao, peut-être. Les premiers Manon à être tombés malades l'ont été juste après la fin des travaux de construction, n'est-il pas? Il doit donc y avoir une corrélation. C'est notre propre truc qui l'a buté. Quelle douleur, tout mon corps souffre. Ça allait bien. Je suis dans cet état depuis un long moment, savez-vous mon médecin? J'ai trouvé la cause, là je trouve, blablabla. Je vais te parler à toi. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Allez au Black Lido, quand une meute de ces créatures m'a attaqué, j'ai dû rentrer ici en courant. Mira nous offre vraiment de nombreuses opportunités de mourir. Les dangereux se promènent sans escorte. Quelques boss, car j'ai trébuché une ou deux fois, mais ne vous inquiétez pas, le docteur Stakata en a vu d'autres, non? Je vais me soigner en rien de temps. Ah, mon rapport et vous, avez-vous trouvé le flambeau de l'assassin? C'est stupéfiant, non? Merci beaucoup, vous autres membres du Blade êtes toujours à la hauteur de votre réputation. J'avais déjà ça sur moi. Ce qui est dit, n'est-ce pas, donnez-moi un peu d'autre miraculeuse. Je ne m'attendais pas à ce que vous traquiez deux colamboles l'assassin. Très bien, comme vous le dites, je me suis engagé à le respecter à ma parole. Je pense que vous n'avez plus rien à faire ici, alors je vous demanderai de partir, de ne jamais revenir dans notre église, espèce de grossier mécréant. Adieu. Alors voici l'eau, leur eau miraculeuse, n'est-ce pas, cela ressemble à toutes les eaux que j'ai pu boire. Loupe, je vois, non, elle a le goût de... Il faut que je l'examine de plus près avant d'être sûr de quoi que ce soit, n'est-il pas? J'aimerais que vous rendiez à l'usine de traitement de l'eau du lac Biano pour voir s'il se passe quelque chose de bizarre, peut-être, si vous voulez bien. Si nous pouvons y trouver une preuve supplémentaire reliée à cette affaire, je suis sûr que nous pourrons faire tomber Frézy, n'est-il pas? Retrouvons-nous ici une fois cela fait. Par contre, c'est quoi la quête, l'amour machin, là? Comment je trouve ça, moi? Est-ce que j'ai la quête quelque part? Mission. La reine de la mode. Non. Ça doit être une mission que je trouve comme ça. Saloperie, hein. Il y en a une ici aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Le roi de la terreur. Membre requis HB. Complétez le chapitre 7, explorez 25% de Noctilum, complétez la mission d'entente Pote pour la vie, complétez la mission Prône adoré. Et deux d'entente. Ouais, autant vous dire que ce n'est pas fait. Hein. Autant vous dire que non. On va retrouver. C'est dommage, ça aurait pu augmenter l'entente.
trouver des trésors ensemble, quoi. Où est-ce que je peux trouver la mission en amour, je sais pas quoi, là. Un mariage. Ta-da-da. On va aller voir le nom du truc. Non seulement j'ai viré un mec, épouse-moi. Voilà, épouse-moi. Alors, accepte la mission de base, épouse-moi. Mission Xenoblade X, épouse-moi. Ouais, ça. Après une courte cinématique introduisant Hope, vous voyez la quête, épouse-moi. Ok, c'est tableau du Blade, très bien. J'aurais pu aller vérifier de base, mais... Cela dit, je peux y aller. Zone industrielle, c'est quoi ma quête, là? Il y a une quête en cours. Mission d'entente de Fry, santé... Pourquoi la mission... C'est quoi la mission que j'ai actuellement? Ah, c'est les trois divins, si c'est ça. Donc, faute Saiki, l'un des trois divins, vous a demandé de vous retrouver la nuit devant le café-restaurant. Ok. J'avais oublié ça. On ira, mais pas tout de suite. On va d'abord aller au quartier administratif. Et on va au Hall Blade. Enfin, au Hall Blade. Ding, ding, ding. Hop. Et là, il y a une mission. Examiner. Alors, épouse-moi. En vrai, est-ce que je peux pas toutes les demander? Ah, mais y a rien, hein. Elle y est pas, épouse-moi, là. Vous ne pouvez pas accepter plus de 20 missions de base à la fois. Merde. De base, et plus ou moins balayé pas. Peut-être que je fasse des missions. Ah ouais, c'est peut-être ça. Il faut peut-être que je fasse des missions pour en débloquer d'autres. Oh là là. Oh là 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 là. Ça peut être pratique, ça. Hein. Bon, zone industrielle. On va se téléporter. Dun, 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 dun. One, two, three, four. On va dormir. Parce que c'est la nuit qui veut. Voilà. Guess what? Non, c'est pas la nuit. Me suis trompé. Me serais-je trompé? La nuit devant le café-restaurant. Ah merde. Ah, j'y suis devant le café-restaurant là. M'emmerde pas. Ah, les escaliers, ça marche aussi. Ah bah voilà.
Il n'y était point. Vous avez toute ma gratitude pour être venu, je suppose que je devais commencer par vous raconter l'incident. Quoi qu'il en soit, oui, c'était quelque temps après notre atterrissage en catastrophe sur Mira, il y a de cela un mois à peine. Un grand convoi du Blade transportait une cargaison considérable d'or blanc rare. Mais ils se sont subitement volatilisés et leur cargaison avec eux. Ils ont appelé les trois divins, nous les seuls survivants. Cependant, il ne s'agissait pas d'un phénomène paranormal comme le prétend la légende urbaine. Elle a demandé où se trouvent les autres survivants. Ah, c'est une excellente question. En effet, cela se trouve au cœur même du mystère. Était-ce des extraterrestres, des esprits malins ou autre chose? Hélas non, ce n'a été qu'un massacre. Briggs, le chef d'unité convoité, l'or pour lui seul, rendu fou par l'habilité qu'il s'est mis à assassiner ses propres compagnons. Génial. Je l'ai aidé à le faire, craignant pour notre vie, un homme appelé Moorhouse, et moi-même l'avons aidé à assassiner nos frères d'armes, que Dieu me pardonne. Ah bah super, bravo. Briggs nous a forcé à transporter l'or blanc dans un endroit secret, puis lui a envoyé un signal de détresse, nous avons attendu que l'aide arrive. Nous avons joué de ne révéler à personne notre forfait, et chacun d'entre nous a fait feu de silence. Nous sommes revenus en ville et avons endossé le rôle de victime, juste trois hommes pris dans un mystérieux incident. Critiquer False Strike pour son rôle dans ce crime. Sujet de traîner Briggs en justice. Exiger de récupérer l'or blanc. Je ne dis pas mon rôle dans ce crime, mais est-ce que je justice si le responsable du massacre n'est pas inquiété? Ses turpitudes sont révélées au grand jour, j'accepte avec lui la punition qu'il mérite. Briggs était malheureusement bien plus malin que nous, il a dû aider notre retour à New LA avec l'or blanc. Après toutes ces péripéties, tout ce qu'il me reste est une pépite d'or blanc de la taille d'une bille. Retenez-la et partez à la rencontre de Moorhouse. Plus proche de Briggs que je ne l'étais et saura peut-être où celui-ci se trouve actuellement. Moorhouse est de nature soupçonneuse, mais cette babiole devrait le convaincre. Nous sommes les seuls au monde en possession de ces deux pépites. Je vous le laisse. Rappelez-vous cependant qu'il se trouvait dans la même situation que moi. Lorsqu'il comprendra la situation, je suis sûr qu'il coopérera. Ok. Je vais aller où maintenant? Parler à Moorhouse dans la zone commerciale. Alors, zone commerciale. Zone commerciale, où es-tu? Là. À la Grand Rue Nord, je me téléporte. Là, il y a un truc là. Bonjour toi. Vous avez besoin de quelque chose peut-être, parce que je ne travaille pas en ce moment, donc je ne fais rien, en fait, non. Qui me laisse libre de faire ce que vous voulez peut-être. Demandez mensuration. Exprimez votre inquiétude contre le mal. Vous devez être un ami de Pernard, non? Eh bien, dans ce cas, je vais vous dire ce que vous voulez, quelles sont les mentions dont vous parlez. Tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche, c'est facile, laissez-moi une minute pour aller prendre les mesures. J'avais oublié cette quête. Voici mes mensurations, d'accord, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça en fait? Les sous-vêtements, cela semble intéressant, ne suis pas, peut-être que j'essaierai quand le produit sera disponible. Super. Avant de lui demander comment elle va. Bonjour. Hop, il est juste là. Ah. Peut-être que c'est pas le énerve. Il n'est peut-être pas là. Ah bah si, il est là. T'as pas l'air en forme, mec. Regarde quoi, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais dans un coin d'escalier? Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je veux qu'on me laisse tranquille. Si vous n'avez rien à faire là, allez-vous-en et si vous voulez quelque chose, dépêchez-vous. Dire que Fox vous envoie et exige savoir où se trouve Briggs. Se renseigner sur 3 divins. Rien à vous dire. Something you need? Bah, du coup, on va assister. Hein. Fox, ce nom me dit vaguement quelque chose, mais je me souviens pas vraiment qui c'est. Eh tiens. Alors, comme ça, il vous a donné ce truc. Il a dit que je ne fais pas confiance facilement, non? Eh bien, je ne suis pas non plus assez idiot pour mettre ma vie entre les mains d'un parfait inconnu. J'ai besoin de vous faire passer une épreuve en toute chose. Et tu es 5 forfex, Mara. Si vous ne réussissez pas au moins ça, Briggs ne fera qu'une bouchée de. Eh bien, je suppose qu'on va les tuer, les forfex, Mara. Allez. Je sais pas si je mets quelqu'un avec moi en plus. En vrai, ça sera intéressant quand même. Je pense. Donc, nous allons. Zone commerciale, il y a un autre nouveau. Qu'est-ce qu'il y a là? Un meurtre ignoble. Ah bah, c'était ça. Où est-ce que Fry est?
trou. Il est attaqué avec Elma. Quête administrative peut-être, pareil. Ça c'est peut-être attaqué avec Lynn. Je sais pas, machin se trouve par là. Irina se trouve souvent ici. Ben voilà. Allez, viens là, Irina. Je sais pas pourquoi Irina, mais pourquoi Fly plus qu'Irina, quoi. Le premier sur lequel je suis tombé. N'hésitez pas à ne pas vous faire une nouvelle crise. Je comprends maintenant que ça peut offenser mes coéquipiers. Bien maintenant, avant de l'avant, importe la mission. Allez, viens. Augmentons l'entente. Niveau 14, tu ne vas servir à rien. Merci. Alors, on va aller en mission maintenant. Hop. Hop, j'espère juste qu'ils sont pas trop coriaces. On est un peu dans la merde. Tintin. A priori, je pense pas. Ça devrait le faire. Après, on scale, cela dit. J'aurais pu. J'aurais peut-être dû. Ça, ça a été plus rapide. Non, ça va niveau 11, ça devrait le faire. Paf. Pas le taper. Ah, merci. Hop. On fait ça pour Irina. Hop. Allez, Gwen. Paf. Ça, c'est bien. C'est l'entente. Et j'aurais dû prendre mon truc parce que je n'ai pas le... Oui. Allez, si, son épée. Enfin, mon épée. Mais j'ai pas plus le jaune. Il vient l'agresser, lui, d'un coup. Je crois bien, oui. Merde. Bon, ça va. Hop. Everyone with me. Melee. Bah ben non, pas melee. Sauf corps à corps, ça c'est moi qui l'ai dit. Hop. Trop fort. Hop. Ça c'est pour toi, Gwen. Je mets les attaques. Merci Gwen. Parfait. Je les lutte. On va se re-téléporter ici. Parce qu'il faut qu'il respawn, quoi, vous comprenez? Et cette fois, on va prendre le scale. Où mon scale? J'ai plus mon scale. Mais non, j'ai plus mon scale. Il faut que j'aille le réparer. Saloperie. Je vais zapper ça. Et oui, oui, oui. Il faut que je répare mon scale. On ira faire ça tout à l'heure, alors. D'abord tuer ces merdes là. Il en faut 5. Tac, il y en a 2 là. Il n'y a pas d'autres. Chier. Dave team up. Open up. Ah bah non, j'ai pas.
Et pas de violet. Gwen. À toi. Non. Non, Gwen, tu veux pas. Allez, Gwen. Ah bah non. Je suis triste. Bon bah on va faire ça. Et puis voilà hein. Ça c'est des petits. C'est les mêmes monstres mais il y en a un grand et un petit quoi. Ça c'est Rina qui commence tout ça. Ah voilà Gwen. Quand tu veux. Merde, il a appelé les autres cons. Paf, 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 paf. Il a appelé les deux petits à côté. Ta-da-da-da. Paf, paf. Paf, paf. Et paf, paf. Hop. Parfait. Il n'y a pas un autre par hasard. Non. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre scale. Dans la caserne. De toute façon, il faut qu'on se téléporte. Ding, ding, ding. Alors. En garde de la caserne. Attention, scale a remplacé votre scale perdu. Merci. Assurance 3. Ouf. Et si on allait à un autre endroit? Parce qu'il y en a un deuxième. Où il y a des machins comme ça. Donc on va y aller. Hop. Parce que c'est ici, puisque c'est les machins marins. Ah, ils sont niveau 20. Un peu plus coriace, c'est bien. Allez, viens des... Paf. 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 Je peux pas mettre des... Non. Non, tu veux pas un... Gwen. Non, il veut pas. Am I all alone? Anyone there? Tu veux pas me donner un truc là? Allez! Fais un cri de guerre! Ah ben voilà! Merci! Paf! Quand tu veux. Hop. Bon bah voilà. On a fait. On va y retourner. On va retourner voir l'autre truc. On sait toujours pas comment il arrive à se dire ah oh bah tiens oui en effet vous les avez tués. Ça me fait toujours marrer ça dans les jeux. Comment il sait qu'on a tué les 5 machins là? Il nous ramène des têtes comme preuve. Je sais pas. Hein. Ça prend de la place. Ça c'est pour juste pour flex devant lui. Hop. Et ouais, j'ai un scale.
Vous avez vraiment massacré ces Forex marins. Bon, vous avez peut-être vraiment une chance contre lui. Mais c'est pas une chance, on va le désinguer en fait. D'accord, je vais vous dire ce que je sais. Je suppose que False Sky vous a déjà donné tous les détails. On va mettre le poteau là comme ça. Dire à Morehouse que vous avez tout. Demandez à Morehouse sa version des faits. Un monstre appelé Briggs a volé une cargaison d'or blanc, tuant les nombreux innocents au passage et de la cacher. Craignant pour nos propres vies, un nommé Fosdike et moi-même l'avons aidé à commettre ce méfait. La seule chose que je vais garder, c'est des cauchemars qui me poursuivront jusqu'à ma mort. Je veux la tête de Briggs pour ça, c'est assez clair pour vous? Bien, il se tire dans les entrailles du vallon en fusion. Demandez pourquoi quiconque choisirait un endroit pareil pour vivre. Hein. En fait, il y a un énorme coffre fort là-bas, il l'a construit lui-même. Il ne laissera personne s'approcher de son or, ce rapace fera tout ce qu'il peut pour conserver son trésor. Mais il a fichu ma vie en l'air et celle de Fosdike, c'est toujours mieux que ce qu'ont eu les autres. Je vous en prie, il faut l'arrêter. Si vous réussissez, je suis prêt à me racheter de la façon que vous souhaitez pour la part que j'ai eue dans ces cauchemars. On doit aller en cool draw, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Hop. Ta-la-la-la-la. Alors, mon petit scale, parce qu'on va avoir besoin de toi. On va devoir voler. Désolé les autres. Hein. Hop. Alors, je sais pas s'il faut que je monte tout en haut. Je pense pas, puisque c'est une mission niveau 20. Je pense qu'on doit pouvoir y aller par là. Peut-être pas en vrai. En vrai, peut-être pas. En vrai, faut peut-être que je monte. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y a lui là. Niveau 90. On peut pas recruter au-delà des niveaux 60. Comment on est censé tuer des niveaux 90? On est d'accord que c'est un boss. Il est stylé, mais c'est quoi ce monstre? Bref. Niveau 90, c'est juste pas possible. Du coup, c'est pile poil là où il faut que j'aille. C'est vraiment parfait. C'est là. Attendez quoi? Polotus est niveau 49. C'est pas la même quête. Moi je suis niveau 41. Donc je peux pas tuer les niveaux 49 là. Hein. Non, c'est clairement pas la bonne mission. Enfin, pas la même mission. Où est-il? C'est peut-être en dessous en fait. Hein. Finalement pas besoin d'escale hein. Est-ce qu'il est ici? Peut-être. Non, c'est pas là. Passant de terrain. Ce n'est pas là. Faire un tour comme ça. Ce n'est pas là non plus. On lui tourne autour. Hein. Bon, c'est au-dessus du coup. On est niveau 56, on va laisser tranquille. Mais c'est vraiment genre là. Là je suis pile dessus. C'est étrange, non? Mais c'est par où? Ça peut pas être au-dessus, il y a le super monstre. Niveau 90.
Y a pas une entrée secrète ou... Bah non, y a rien. Mais y a que dalle. Allez au vallon en fusion de Primordia. Puis de la goutte. Pas trop mieux. Peut-être que... Mais si, voilà. Puis de la goutte. Mais ça, c'est au-dessus. Qu'il faut que j'essaye de tomber là dans le trou. Non mais lui c'est forcément un méchant. Il est forcément crevé là. D'accord. Bah non. Ok. Alors du coup non. C'est quand même le niveau 60. Donc eux, c'est sûr que s'ils me chopent, je crève. Est-ce que j'y suis au vallon, là? Le niveau 60 et tout, je vais crever. Hein. Quand même un gardien au niveau 90. Je meurs, hein. Donc, quitte à crever. Autant explorer. Il n'y a rien d'autre. Ok, il y a juste... Il y a juste des monstres, très bien. Est-ce que je peux me barrer? Non, je ne peux point me téléporter. Nous allons mourir comme des merdes. Allez. Bon, ce n'était pas à l'intérieur, même s'il y a quelque chose. Ce n'est pas ça. On s'en doutait, en même temps. Valon en fusion. Où est-ce que c'est que cette merde? Instant recherche. Vous savez, je suis con. Je pense que depuis, vous êtes au courant. Ce qui fait que... J'ai tendance à oublier les choses importantes. Et en fait... Nous avons une fonction... nous permet de d'indiquer le chemin à suivre. Voilà. On fera ça dans le prochain épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi et à la prochaine.